Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, que vous ayez choisi de regarder ma vidéo, parce qu'aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour. Aujourd'hui, je vais recevoir mon tout premier livre. Enfin, je vais le tenir dans mes mains. Je vais pouvoir le palper, le sentir, le feuilleter, et vous allez vivre ce moment avec moi. Si vous saviez comme il me tarde, il est quoi? Il est quelle heure là? Il est 9h. Le livreur est censé passer dans 2 heures. C'est long. Ça va être bien, hein? Ça va être long. Mais bien. Mais long. Je m'appelle Maëva, j'ai 35 ans, et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé écrire. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'écrirai un roman, un vrai. Elle, c'est mon chat, Gucci. Et elle est toujours dans mes pattes. Il y a 2 ans, j'ai commencé à écrire une histoire, l'Oasis. Je ne savais même pas si j'irais jusqu'au bout. Un point important que j'ai failli oublier, c'est que vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez pendant la vidéo et j'y répondrai en direct. Et oui, cette vidéo est interactive, alors surtout, n'hésitez pas. Lorsque j'ai posé le point final à mon roman, je n'en revenais pas. J'avais réussi. J'avais écrit une histoire, une vraie. Je ne pouvais pas m'arrêter là. Je l'ai alors partagée à ma famille. Un peu fébrile quand même, je dois l'avouer. Mais leurs encouragements à aller plus loin m'ont boostée et je me suis permise de croire que mon rêve pouvait devenir réalité, celui d'être un jour publié. J'ai alors envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Et c'est en mai 2020, en plein confinement, que mon vœu s'est exaucé. Les éditions Alter Real m'ont proposé un contrat et l'aventure a commencé. Lecture, relecture, retravail, correction, BAT, s'en sont suivis plusieurs mois de travail acharné. Un vrai kiff. Et en décembre 2020, je découvre ma couverture. Je ne savais pas que c'était possible d'en tomber amoureuse. En janvier 2021, le Graal, la date de sortie. C'est officiel, l'Oasis, le monde caché, sortira le 2 avril 2021. 2 mois plus tard, voilà où j'en suis. Excitée comme une puce à l'idée de tenir mon livre entre mes mains. C'est un rêve qui devient réalité et c'est avec vous que je vais le partager. Regardez qui vient d'arriver. C'est mon livre, mon tout premier livre. À vous-même. À moi, à moi-même. Merci beaucoup. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. With the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. Bon, ça y est, je suis équipée. On va pouvoir commencer. Oh, je suis trop excitée. Bon, alors, je ne sais pas du tout comment je vais réagir à l'ouverture de ces cartons. Vous pouvez faire vos pronostics dans le petit espace pool sondage sur la plateforme vidéo. Vous verrez, vous avez le choix entre plusieurs propositions et on va voir si vous choisissez la bonne. Moi-même, à l'heure actuelle, hein, je ne sais absolument pas comment je vais réagir. Comme je vous ai dit, on vit cette expérience en même temps. On vit cette expérience ensemble. Et là, je fake pas, hein. J'ouvre pour de vrai. Vrai direct. Mon Dieu, j'ai tellement peur de les abîmer. Ah,
faut que je les ouvre là, parce que c'est pas possible. Je tiens mon livre entre mes mains. Vous avez le dos, mais le dos, mais il est sublime. J'avais encore jamais vu le dos. C'est mon livre, il y a écrit mon nom dessus, quoi. Mon Dieu. Ta-da ! Donc magnifique, magnifique. Canon. Canon, canon. Et le dos, quoi. Non, mais le dos, il est super beau. Ah là là, c'est magnifique. Non, mais j'ai mon nom sur un livre, les gars. J'en tremble, c'est dingue. Je suis partagée entre un milliard d'expressions, là, d'émotions, je ne sais même plus, je n'arrive même plus à parler. J'ai les larmes aux yeux, je tremble, ça s'entend sans doute à ma voix. Je suis un peu émue. Voilà, je suis une auteure, quoi. J'ai mon premier livre dans les mains et il va pas tarder à aller direct dans ma bibliothèque. Ouais. Voilà. Genre la réaction, quoi. C'est un roman fantastique, urban fantasy. Je suis en amour. Vraiment, je suis en amour. Bon, par curiosité, je vais quand même jeter un œil dans les autres cartons. En direct avec vous parce qu'il y a une surprise. Il y a de sublimes marque-pages qui vont avec à l'effigie du livre. Oh my god, qu'ils sont beaux! Marque-pages. Ça en... Oh. Je suis trop heureuse. Voilà. Oh. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. Je me suis remise de mes émotions. On a
a découvert ensemble les livres et franchement, enfin voilà, je suis ravie, je suis sur un petit nuage depuis tout à l'heure. Et là, je résiste pas à l'envie de partager ça avec ma famille. Et j'ai envie de vous embarquer avec moi dans cette expérience. Bah c'est parti, on y va. On est parti. J'ai trop hâte de leur montrer, de voir leur réaction. Bon, ça y est, on est en place, en voiture, on y va. L'annonce a été faite, ça s'est super bien passé, c'était génial. Par contre, à la maison, il y a la famille, il y a les neveux, il y a les nièces. Ils sont pas très grands, donc ça crie beaucoup, ça pleure aussi. Ça va un peu dans tous les sens, donc pour votre bien-être et pour le bien-être de vos oreilles, je ne suis pas sûre que je vais mettre le son à cette séquence vidéo. Je vais vous épargner les cris, les pleurs, etc. Bon, du coup, j'en profite pour vous montrer. Oui, remontons-moi ta carte. Ils ont un peu moins de... Oh, mais tu l'as ? Ouais, je l'ai reçu. Waouh ! Une semaine en avance. La chance. Oh, il y a un parcupage. J'ai reçu ce que j'ai demandé, plusieurs exemplaires. J'ai reçu les exemplaires que j'ai demandé. Oh, ils sont beaux, les marquages. Waouh ! Et là, son bouquin. Oui. Ça fait quoi de le voir ? Ça m'a fait trop bizarre. Oh ouais ouais, stylé. Hey, tu l'as en avant pour bien. Ouais. Génial. Sympa, hein. Ah, c'est trop cool. C'est trop mignon. Une fois rentrée à la maison, je commence les séances de signature. Aussitôt reçues, aussitôt envoyées.